Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui Romain, mon copain, va devoir deviner des objets étranges qu'utilisent les filles. Donc il va y avoir 15 objets. Le défi pour toi, ça va être d'en trouver minimum 10 ou plus. Si t'en trouves 10 ou plus, j'ai un gage. Si t'en trouves moins de 10, t'as un gage. C'est pas un cadeau? Non, et le gage, il est sur ta droite. Je voulais un cadeau. Il est sur ta droite, le gage. Tu l'as pas vu? Alors ma cocotte, hey, écoute mon gars, c'est hors de question. T'as intérêt à tomber. Tu vas me faire pleurer. C'est hors de question. Moi déjà je voulais un cadeau, on m'avait dit il y avait des cadeaux et tout. J'arrive ici, il n'y a pas de cadeau, en plus faut bouffer des croquettes de chien. Alors là c'est mort. Il savait toujours parce que c'était... Ouais, non, elle m'a pris au dépourvu, il n'y a pas de souci, allez je me barre moi. Il savait non, même je pas. Me barre, c'est bon. Ah, j'ai pas été payé pour ça. Déjà il savait même pas ce que c'était la vidéo. Il y a des trucs simples et il y a des trucs pas simples. Allez viens, t'en trouver du garde un peu à boire. Non par contre si t'en trouves 10 ou plus, c'est moi qui dois le manger. Mais je m'en fous, mais même toi, mais je t'embrasse même plus après, c'est mort. Mais c'est le gage, c'est je pour le jeu. C'est quoi ces gages pourris? Tu peux pas dire celui qui perd, mais il achète un truc à l'autre. Waouh, comme ça, c'est trop bien ça. Oui, mais on peut pas le faire instantanément, donc c'est nul dans la vidéo. C'est parti, premier objet. Alors c'est quoi? C'est une poire de je sais pas quoi. Non, truc de lavement là. Ouais. Non, pas du tout. C'est pas une poire à lavement. Non. C'est pour les règles, pour pas que le sang y coule. Ok, bien joué, t'as un. Oui, bon ça va, c'était facile quoi. Deuxième photo. C'est des pierres pour poncer les peaux mortes? Non, ça y ressemble. Non mais si tu fais des trucs qui ressemblent... Non mais ça quand tu le mets sous l'eau, ça devient mou. C'est une boule... Hein? Ça devient... Faut que tu dises à quoi ça sert. C'est une boule de bain alors? Non, c'est donné un indice là. Ouais. Tu penses que ça sert à quoi? Même si tu ne dis pas le nom précis, à laver quoi? À laver le visage. Oui, c'est une éponge conjac. Franchement, je t'ai bien aidé là quand même. Ouais, tu m'as bien aidé. Alors, ouais, si éponge conjac. Non, mais je t'ai demandé à quoi ça servait. Si jamais. Putain, il y a plein de trucs sympas là. Arrête! Si jamais c'est moi qui dois avoir le cash, tu seras gentil avec moi, tu me l'enlèveras. D'accord. Suivant. Dis-toi que c'est des trucs que les filles utilisent. Ouais. J'ai été super gentil avec toi, je t'ai mis des trucs faciles. Un coton-tige sans le coton, qu'est-ce que tu t'es... J'ai pensé à ça aussi. T'as pensé à ça, ben un coton-tige sans coton. Non, au moins t'auras appris quelque chose. Un bâton de sucette. Non, t'auras appris quelque chose dans cette vidéo au moins. C'est pour te crever les yeux quand t'es qu'une nervante comme ça. Je sais pas. T'es prêt à perdre un point? C'est pour les ongles. Non, t'es vraiment loin. Bon, c'est pas grave. Tu donnes ta main gauche? Je veux pas savoir. Si, c'est l'implant qu'on met dans le bras. Donc c'est pas un truc que les filles utilisent, hein. Excuse-moi. Mais bien sûr. Alors non, on va refaire la définition, mais c'est pas ça. Un truc que les filles utilisent, c'est un truc que les filles utilisent tous les jours. N'importe quoi. Bah, c'est une fille, là les filles, elles utilisent ça comme moyen de contraception. Ouais, mais toi tu dis ça? Non, et ben non, voilà. Mais on n'a pas dit que Manon utilise. Non, les filles n'utilisent pas, voilà. Non mais là faut me défendre. Non. Là faut arrêter les conneries. Voilà, vas-y, c'est quoi? Allez, montre-moi ton prochain truc là. Prochain. Sérieux. Sérieusement. On va parler sérieux. Mmh. On va faire un flashback sur la vidéo au début. Je t'ai mis des trucs super faciles. J'ai pas dit ça. Il y a des trucs simples et il y a des trucs pas simples. Tous les objets sont difficiles pour l'instant. Ça sert à nettoyer quelque chose. Pour moi, c'est un truc réfléchir. Pour moi, c'est une ponceuse pour les ongles, ça. Non. Eh ben, je sais pas. C'est pour nettoyer les pinceaux. Tu mets le pinceau et ça tourne. Le mauvais perdant. Allez, suivant. Ça, c'est pour nettoyer les pinceaux. Ouais. Tu vois? C'est des trucs simples aussi, tu vois. C'est pour les cils. Pour la contraception? Non. Pour les gynécologues? Tu t'en rapproches. C'est ça? Non, c'est pas pour écarter. Ça, c'est pas la même machine. Ça, c'est pour faire autre chose. Regarde la forme! Ça pourrait servir à quoi? Choper un truc. Ouais? Mais quoi? J'étais trop. Je vais bouffer la croquette. Le stériler. C'est gros quand même, hein? Ça c'est grand! Parce que ça, moi, pour moi, c'est un truc comme ça. Mais je te le dis, c'est un truc grand. Et ça, je peux pas m'en procurer de ça. Hein. C'est les médecins. Donc les filles n'utilisent pas ça. Voilà, on revient à la même histoire encore une fois. Allez, arrête d'être mauvais joueur. C'est pas question de mauvais joueur, je sais pas. Des forceps, c'est pour... Je crois que ça s'appelle comme ça, c'est pour prendre la tête du bébé et le tirer. Donc, toutes les filles qui disent ça, c'est logique. Ouais, non, mais on est d'accord. Toutes les filles. On est d'accord. Suivant. Et les filles utilisent ça aussi. Oui, les filles utilisent ça. Je sais pas. Ça sert pour le visage. Non, bah, je sais pas ce que c'est. C'est pour épiler le duvet du visage. Suivant. Pour s'épiler, sûrement. Oui, bien joué. T'as 4 là? Ouais, ça, c'est pour les fossiles. Bien joué, tu vois.
C'est normal parce que c'est des trucs qui existent. Mais des autres aussi, les autres trucs, tu les as pris sur Wish. Ah, c'est un truc pour les seins, ça. C'est, Non. Mais si, c'est un faux sein. Il est aussi petit que la taille de la main, là. Bah ouais. Ah oui, là, tu compares avec les miens. Pour nettoyer le visage. Non, mais tu es presque. C'est un soin pour le visage. Non. Bah, je sais pas, alors c'est pour s'épiler. Mais comment tu veux t'épiler avec ça? Non, bah, je sais pas, tout à l'heure, avec un ressort, on arrive à s'épiler, donc là, au bout d'un moment... Mais tu peux rigoler tout ce que tu veux, c'est la vérité. Donc tu me sors un ressort, tu me dis, là, il s'en s'épiler avec ça. Oui, mais comment tu veux qu'on s'épile? Il se bloque dans le ressort. Bah, là, il faut que tu penses que c'est pas un truc qui colle. Oui, ça pourrait. Alors, c'est une goutte d'eau. Non, ça ouais. Pense au Beauty Blender. Allez. Comment tu l'appelais, le? Push. Oui, ben voilà, c'est un truc pour étaler le fond de teint. Voilà. Ça, c'est un truc pour étaler le fond de teint. Et ça, je l'utilise, donc tu peux pas dire... Alors, de 1, je t'ai jamais vu utiliser. 0, 1. Parce que je préfère l'utiliser. Hop. Mais je l'ai, je peux te la... On finit la discussion. 2, pourquoi? Bah, à un moment, c'était la mode, ils disaient que c'était trop bien. Pourquoi? Ça, pour mettre le fond de teint. Que tu le mettes sur ça ou sur un autre truc, ça change quoi? Bah apparemment ça c'était bien. Parce que c'est transparent, ça se voit? Non. C'est bien. C'était la matière qui était pas mal. Du coup t'as 6, suivant. Ça c'est un genre de truc de pulsation, ça. C'est un truc, ça c'est des patchs. Ouais. Qui se collent à quelque part. Et du coup les filles, pourquoi elles peuvent en avoir besoin? Alors attends, c'est un truc que les filles utilisent ou c'est encore un truc qu'un médecin utilise que sur un cobaye qu'un utilise sur un... Non, les filles utilisent, moi je l'ai pas. Ah bah oui, oui, comme les trois quarts des objets qui sont montrés, oui c'est vrai, je le vois. J'ai une vraie question qui me vient à l'esprit. Mettez en commentaire, exemple, vous êtes une fille et vous regardez cette vidéo. Dites en toute honnêteté si vous savez à quoi sert la totalité des objets. Dites-le moi vraiment, je regarderai tous les commentaires, je vais commenter tous les commentaires, je vais suivre tout ce bail parce que là je suis en train de me faire prendre pour un imbécile, mais littéralement beau. Je sais pas, c'est pour mettre sur un de chaque côté des tétés et ça les fait grossir. J'aurais déjà acheté ça. T'es super drôle comme fille, toi. C'est quelque chose qui enlève la douleur. Oh, je sais c'est quoi. Maintenant que je viens de te le dire. Non, je sais c'est quoi. Ça te fait des pulsations quand t'es enceinte. Quand t'as des... comment on appelle? Des contractions. Ça t'enlève la douleur des contractions. Non. Ou des règles, alors. Oui. Je t'ai beaucoup aidé là, quand même. Allez. T'as 7. Non, hop, ça, c'est un moyen de contraception. Oui, mais je connaissais pas du tout, moi, par contre. J'ai découvert hier. En cherchant des objets étranges, qu'elle est bien. Mais je suis trop simple, moi, j'utilise des trucs. Non, mais voilà, on en est. Et en plus, on en a... Non, mais t'as trouvé. Non, mais si tu trouves moins de ça, tu manges une croquette. Mais c'est normal, c'est logique. Mais je te donne. Je vais faire un truc pareil, hyper dur. Mais t'as trouvé? Ça s'appelle un anneau contraceptif. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais t'aurais pu le dire. Un moyen de contraception en forme d'anneau, ma vie. Donc t'as 8. Mais ça, c'est quoi, ça? Mais tu sais même pas à quoi ça sert. Ah non, il y en a un autre après, donc tu peux encore gagner. Tu sais même pas à quoi ça sert. Oui, je sais à quoi ça sert. Mais moi j'en ai, mais pas dans cette forme-ci. Ok, ça c'est pour enlever les points noirs. Non. Je vais me mettre dans la tête d'une fille. Attends. C'est pour les lèvres. Oui, mais précisément ça sert à quoi? Gonfler les lèvres. Ça a marché, je me suis mis dans la tête d'une fille, ça a marché, je sais pas pourquoi. Prochain et dernier. Ça, je sais c'est quoi. C'est pas un truc que les filles utilisent. Pourquoi tu l'utilises? Parce que certaines applications utilisent chez n'importe quelle personne, parce que ça peut marcher dans le dos aussi. C'est pas les mêmes. Ça, c'est pour gonfler les fesses. Non. C'est le truc qui fait... Non. Si, c'est ça. Non. Et ça fait pareil pour le dos. Non. Là, je t'ai dit, ça a cette taille, à peu près. Ben oui. Il y en a dans le dos, mais ça c'est pour autre chose, c'est pas la même chose. C'est exactement pareil. Hein. Non, en plus dans le dos il y a un tuyau là. On gonfle les lèvres, alors c'est petit comme ça aussi, mais c'est un truc qui sert à gonfler. Alors, réfléchis parce que là c'est le dernier, donc c'est toi tu manges la conquête, soit moi. Mais c'est un truc que tu poses et que ça te fait gonfler le truc. Non, c'est du bien-être, ça te fait une tache rouge comme ça. Mais ça sert à quoi? Non, c'est pas pour faire une tache rouge. C'est pas le but. Son utilité. Faut que tu me donnes son utilité. Je te ferai pas de cadeau, c'est le dernier. J'ai pas envie de la bouffer, l'autre. J'ai égelé ça. Promis. Je t'ai jamais eu. Avec. Parce que là, j'en ai pas besoin. À une période de ma vie, j'en avais besoin. Et je l'ai fait. Oh, je sais c'est quoi. Non. Oh, comment alors là, t'es bouche bée? Parce que je sais c'est quoi. Je te donne trop d'indices en même temps. Mais c'est pas mon problème ça. Fallait réfléchir à fond.
Je m'en fous. Moi, je suis plus courageuse que toi, de toute façon. Mais c'est bien. Non, tu bouffes ça, moi, je me casse, moi. Bah, casse-toi. Allez, donne la réponse, déjà. C'est ce qu'on peut faire comme gage. Celui qui perd, parce qu'il y a encore une chance que je perde malgré que je sache oui, ce que c'est. Oui, c'est pas ça du tout. Enfin, celui qui a le gage, c'est le serviteur de l'autre pendant un mois. Un mois? Non, c'est trop long, un mois. Deux mois. Dix mois. Jusqu'à la fin de l'été. Oui, c'est ça, oui. D'accord, merci. En jugé, c'est vendu. Pendant une semaine. En jugé. Pendant une semaine. Un jour, ce soir. Je n'accepterai pas de partir. Ouais, non, mais maintenant tu choisis ton gage parce que tu sais que t'as trouvé. Non, mais ça, et alors ça, dans tous les cas, de un, je le mange pas. De deux, tu m'en charges, bah, barre. Moi j'aurais mangé. Je disparais. Pour le jeu. Je disparais, je me barre, je claque des doigts comme Mimi Mathy. Mais ça c'est pas grave, Jelly Belly. Ça c'est un truc que les chiens ils mangent, c'est pas pareil. Moi je claque des doigts comme Mimi Mathy, je disparais, je te le dis direct. C'est au poulet. C'est au poulet, ouais, c'est au poulet. Jusqu'à dimanche. Non, celui qui perd, il fait à manger à l'autre ce soir. Non, dans tous les cas, t'avais fait à manger. Non, mais ça marche pas ça. Eh ben ce sera toi. T'es mon serviteur. Pardon, je parle déjà au futur. T'es le celui qui perd et le serviteur de l'autre. Mais t'entends quoi par le serviteur? Tout ce que je désire. Donc c'est-à-dire, tu me donneras une petite clochette. Parce que je parle au futur, hein, mais tu me donneras une petite... Parce que je vais gagner. Non, tu me donneras une petite clochette. Laisse-moi parler. Donc tu me donneras une petite clochette. Et je ferai gling, 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 gling. J'ai plus de glaçons dans mon whisky. Gling, 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 gling. Et t'arriveras, pof, deux glaçons. Gling, gling, gling. Il me faut des chips. Gling, gling, gling. De toute façon, va me faire couler ma douche ce week-end. Gling, gling, gling. Déshabille-moi. Gling, gling. Habille-moi. Gling, 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 gling. D'accord, ça me va. Jusqu'à dimanche. Adjugé. Dimanche non inclus. Adjugé. Inclus. Inclus. Dimanche inclus. Dimanche inclus. Allez, lâche. Je rigole si tu sais pas ce que c'est. Par contre, ne me juge pas si je me trompe de mot. Parce que je ne connais pas toujours pas la différence entre ces deux mots-là. Oh non. C'est ce que t'as trouvé. Eh ben j'ai soif. Tu m'as pas dit encore ce que c'était, donc je suis pas ta serviteuse là, serviteur. Non. C'est pour enlever ou diminuer. Ben j'ai soif. Non, tu me dis. Ah, tu veux que je continue? Oui. Pourtant, je suis allée quand même. Non, mais si tu te trompes de. Non, mais je t'ai quand même donné beaucoup d'indices, hein. Si tu te trompes entre un ou l'autre. Alors, attends, c'est quoi? C'est pour diminuer les vergitures. La cellulite. Erreur. Des mots. Non. Allez, hop là. Tu savais en plus que je confonds en les fait, deux mots à chaque fois. Oui, c'est bon, c'est un truc. C'est un truc qui va faire. Comme c'est ça, une gonflé, ventouse qui fait le palpé roulé. Oui, bah oui, et c'est comme le truc pour mettre dans le dos, que dans le dos ça fait des bienfaits exceptionnels. Je vais quand même recompter tes points. 9, 10, 11 sur 15. 10, non, pas 11. Bon, allez, au final, j'échappe à la croquette. J'ai soif. Je vais te chercher à boire. Jusqu'à dimanche, non inclus. Mais tu mangeras quand même la croquette? Non. T'avais qu'à pas faire le matin tout à l'heure parce que moi j'aurais été capable de la manger. J'ai soif. Elle a cru que j'étais née de la dernière pluie. Donc on attend tranquillement mon petit verre. Et des glaçons, s'il te plaît. Et des glaçons! N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, s'il vous plaît. Parce que si j'attends qu'on fasse de la pub, oulala. Quoi? Je préfère. Tu serais allé la chercher au magasin, hein, sinon. Il est tombé par terre. Non, c'est mort. S'il est tombé par terre, tu ne le mets pas dedans, le truc. Elle est longue pour servir un verre. Ah! On espère que cette vidéo vous aura plu, on vous met nos réseaux sociaux là, nos Instagram pour venir nous rejoindre. Romain il a dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram, donc c'est trop ouf, continuer à faire grimper son compteur. Et bah nous on est bientôt à 80 000 sur mon compte, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes incroyable, j'ai envie de dire ça. Tu reviens dans combien de j'aime? Deux. Dans deux j'aime, allez, mettez deux j'aime, il reviendra. Bisous.